Le 20 août 2020, Alexei Navalny est placé en réanimation dans un hôpital de Sibérie après avoir perdu connaissance dans un vol reliant Tomsk à Moscou. Après avoir été transféré en Allemagne à la demande de ses proches, la thèse d'un empoisonnement est soutenue par les médecins. Dès lors, Navalny accuse les services secrets russes d'avoir tenté de l'assassiner. Par le passé, en raison de l'organisation de différentes manifestations, il avait été plusieurs fois condamné à de courtes peines de prison et ses partisans avaient été interpellés par les forces de l'ordre. Cette fois-ci, la technique mise en œuvre pour l'empêcher de nuire à Poutine fut des plus extrêmes. Le natif de l'oblast de Moscou s'était notamment distingué grâce à ses enquêtes publiées sur YouTube, des vidéos dans lesquelles il dénonce les faits de corruption de certains dirigeants politiques. L'une de ses vidéos les plus médiatisées fut celle consacrée à l'ancien président Dmitri Medvedev, accusé de s'être constitué un immense empire immobilier sur la base de pratiques corruptrices. Largement ignoré des médias nationaux, non représenté au Parlement, le dirigeant du parti politique Russie du futur s'est imposé comme la principale voix de l'opposition, dans un paysage politique où les dissidents ont très souvent été réduits au silence. Navalny rentre finalement en Russie le 17 janvier après 5 mois de convalescence en Allemagne. Le lendemain, il est placé en détention au terme d'une audience expéditive. Charles Michel, président du Conseil européen, s'empresse de dénoncer cette décision, appelant à sa libération immédiate. Si l'ambiance entre l'Union européenne et la Russie était déjà électrique depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, l'arrestation et la détention de l'opposant au pouvoir russe Alexei Navalny ont eu pour effet de dégrader encore plus les relations entre Moscou et Bruxelles. Début février, en parallèle des échanges entre Josep Borrell et des journalistes russes, des diplomates allemands, polonais et suédois ont même été expulsés au motif qu'ils avaient participé aux manifestations de soutien à Navalny. En réponse à cette mesure, ces pays ont annoncé ensemble l'expulsion de diplomates russes de leur territoire. Sans grande surprise, le Kremlin rejette donc toute ingérence dans ses affaires intérieures et a mis en garde les Européens contre l'erreur de conditionner l'avenir de leurs relations avec la Russie au sort de l'opposant. Il y a en effet des domaines dans lesquels l'Union Européenne et la Russie en doivent coopérer, comme la lutte contre le réchauffement climatique et l'accord sur le nucléaire iranien par exemple. Par ailleurs, l'économie russe compte évidemment sur les Européens pour acheter ses hydrocarbures et lui vendre des biens et des services. Dans ce contexte, l'Europe a bien du mal à trouver une réponse commune à cette affaire et l'impact des sanctions contre des personnalités du régime semble limité. À titre d'exemple, l'Allemagne, de son côté, privilégie son projet de gazoduc Nord Stream 2. Côté russe, la position est claire. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères depuis 2004, déclarait récemment « Nous ne voulons pas nous isoler de la scène mondiale, mais nous devons être prêts pour cela. Si vous voulez la paix, alors préparez-vous à la guerre. » Enfin, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, dont la Russie est membre, a demandé mercredi 17 février la libération immédiate de l'opposant russe emprisonné. Il est donc aujourd'hui encore sous le contrôle du pouvoir russe. Il vient de voir sa peine de 2 ans et demi d'emprisonnement confirmée. Son sort est maintenant entre les mains de Moscou et des Européens qui peut-être ensemble parviendront à changer la donne. Merci d'avoir écouté à tous. Je vous souhaite une agréable journée.